Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon bah voilà, comme vous voyez je suis à la plage, il fait beau. Je profite de cette dernière journée avec mes parents pour être à la plage avec eux et avec la petite. T'es bien à la plage? Oui. T'es contente? Oui. Tu t'es bien amusée? Comment s'appelait ta copine à la plage? Elinor. Elinor, ouais. C'était ta copine d'aujourd'hui. Elinor. Là maintenant on va rentrer faire la sieste à la maison, manger, faire la sieste. Un petit temps calme. Un petit temps calme? Oui. D'accord. Caca. Tu veux pas manger? Non. Comment ça se fait? Maman, ça c'est la mangue. C'est pas de la mangue ça? Elle a pas touché son assiette, madame. Mais alors, t'es fatiguée? Oui. Ouais, je crois qu'elle est fatiguée. Hein. Non, c'est pas fatiguée. T'es pas fatiguée? C'est parce que t'as trop joué. Non. Oh. Bon, j'ai bossé tout l'après-midi sur l'ordinateur. Là. Et là, elle est en train de jouer avec ma maman sur la terrasse. Je vais me préparer parce qu'on va au resto ce soir tous ensemble. Petit chat. Petit chat, tu joues avec Flappy? Tu joues au ballon avec Flappy? Oui. Allez, montre-moi comment tu joues au ballon avec Flappy. Je sais pas, Flappy. Je sais pas, Flappy. Il sait pas, Flappy, jouer au ballon? Non. Oh, le pauvre, il faut lui apprendre. Tu lui apprends? Le pauvre. Je crois que Serge, il en aurait. Bonsoir. Ce chien a vraiment aucune réaction. Tu regardes quoi, mon chat? Une vidéo? C'est le même que Wawa, t'as vu? Et moi? C'est le même que Wawa sur la vidéo? Oui. Oh, t'es contente? Je fais un bisou. Il fait un bisou, le chien? Oui. Il fait un bisou à sa peluche? Oui. Comme toi, il adore sa peluche, alors. T'es prête pour aller au restaurant, toi? On va t'habiller, hein. On va mettre une jolie robe. Non, on va mettre un pantalon. Ça vient récupérer les... C'est les mêmes. Bon, me voilà habillée. J'ai mis un short taille haute noire avec un body, comme ça. Et là, on l'a pas encore habillée parce que Nico, il est même pas encore rentré. Elle adore jouer avec les petites cartes en ce moment. On a reçu un jeu des 7 familles de Disney là. Et là, elle aime bien jouer les petites cartes avec des animaux. Ça, c'est un petit jeu de société qu'elle sort à chaque fois, qu'elle aime bien. Tu aimes bien? Oui. Bon, alors les cartes. En fait, regarde, maman va t'expliquer. Là, tu vois, tu as des familles. La famille du singe. C'est les cartes oranges. La famille des oiseaux, les flamants roses, c'est les cartes roses. La famille des dauphins, c'est les cartes bleues. Et il faut que tu regroupes toutes les cartes par famille, d'accord? Oui. Allez, on va faire ça. Il est là, mon mari. Ça y est. Mon petit mari, il est rentré. T'as fait pipi dans le pot ou pas aujourd'hui? Oui. T'as fait quoi bien, dans le pot? Caca. Ah. C'est bien, tape là. Tape là, bravo. Ça va? Et toi? Oh. Regarde, montre-nous comme t'es belle. On a mis le petit jean, ça faisait longtemps. Hein. Parce que nous, il fait chaud chez nous là. Il a pas de robe. Pourquoi il a pas de robe? Parce que c'est un garçon. Des robes, les garçons ils mettent pas des robes. Des fois ils mettent des robes. Les garçons ne mettent pas des robes. Ça dépend, des fois ils mettent des robes. Généralement ils mettent pas de robes. Tiens, regarde-moi chérie, comme t'es belle, oh mon amour. Bon, alors on va aller au resto. C'est la première fois qu'on sort et là, sans couche. C'est un énorme risque, mais bon, faut bien le prendre à un moment donné. Aujourd'hui elle a tout fait dans le pot. Donc on va essayer. Je l'ai briefé et tout, elle a un jean, elle a une culotte et
On va voir si ça réussit ou pas. Bon, après, on sait qu'il y a toujours des accidents, mais bon, faut bien se lancer à un moment donné. Donc voilà, aujourd'hui, on tente le resto sans couche. Bon, je prends pas un énorme risque, vu qu'elle a déjà fait caca, normalement. Je sais que c'est pas très glamour, hein, mais bon, pour les mamans qui me suivent, je sais que vous aimez bien savoir où elle en est par rapport à tout ça. Bon, allez, c'est parti, on est prêt pour le restaurant. Il y a mon père et mon beau-père qui sont dans l'autre voiture, et nous, on est là. Ah oui, Bobo il s'est fait Bobo il s'est fait Bobo. Effectivement, il a trébuché le père de Nico, il s'est tordu la cheville. Dans tous les vlogs, j'éternue ou je baille. C'est fou en ce moment. Il y a un beau coucher de soleil. Hein. Ouais. Il fait bon, il fait 23 degrés, mais j'ai mis une veste, je sais pas pourquoi, au cas où il allait faire frais. Moi j'ai mis un pantalon, je sais pas pourquoi. Et là, tu oublies pas, chérie, que t'as pas de couche. Hein. Yeah. T'oublies pas. Hein. T'es une grande fille. Quand on arrivera au restaurant, on ira aux toilettes, d'accord? Comme ça, si t'as envie de faire pipi, tu feras pipi. T'es une grande fille. Moi. Maman est fière de toi. Eh oui. Oui, t'as fait un caca. J'ai fait un caca. On a tous besoin de le savoir, mais... Moi. D'accord. Bon, on est où? On est à la gourmandise, comme d'hab. Ton resto préféré, enfin notre resto préféré. Ouais. Et là, elle boit une grenadine. Mais oui, elle a déjà été deux fois aux toilettes. Papa aussi, c'est une grenadine. Une grenadine pour les grands, ça. Papa, il a deux pailles sur mes couverts. Pour moi, c'est risotto de la mer. Et là, elle a pris des poissons aussi, avec des frites. Enfin, des pommes de terre. Bon, on est de retour du restaurant. La soirée se finit sur une note relou. Je ne trouve plus mon portefeuille, donc je sais pas si je l'ai oublié au restaurant. Je crois que je l'ai emmené. C'est une pochette. Je crois que j'ai emmené la pochette au restaurant. Et je ne sais plus. Je sais pas si je l'ai oublié au restaurant, si je l'ai perdu sur le chemin, j'en sais rien. Du coup, on a, vu qu'on connaît le patron du restaurant, on lui a envoyé un message. Mais vu qu'il est en plein service, ça répond pas. On a essayé d'appeler, ça répond pas. On a un pote qui travaille là-bas. On lui a envoyé un message, mais il répond pas. Donc, du coup, c'est chiant. En plus, j'avais du liquide dedans. Bon, pas grand chose, mais quand même, j'avais ma carte d'identité, j'avais mes cartes bleues. Donc, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, on va voir. J'espère qu'on va le retrouver. Parce qu'en plus, la pochette. En plus, j'y tiens, quoi. Parce que la pochette en elle-même, je m'en fous, mais mon portefeuille qui est à l'intérieur, c'est un cadeau que j'ai eu pour mes 18 ans, enfin bref. Du coup, j'y tiens quand même, donc j'espère qu'on va la retrouver. Et aussi pour les papiers. Je vais vous laisser ici, j'ai pas du tout beaucoup vlogué, je pense, encore aujourd'hui. Hier, du coup, j'avais quand même bien vlogué, je pensais pas, mais aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment pas vlogué. Parce que j'ai pas trop le temps. Mais bon, demain, on reprend la vie normale. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico. Vous avez les deux liens là. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.